Bonjour à tous, les pubs TikTok sont hors de contrôle. Mon jeu n'a pas encore atteint les 10 000 wishlists et vous avez encore humilié mon boss. Vous avez juste globalement humilié le jeu en le terminant en 95 secondes. Mais pas de souci, pas de problème, je ne serai juste jamais à la première place du nouveau leaderboard sur speedrun.com. Aujourd'hui, on va tenter de rendre mon jeu cool et populaire en y ajoutant du sexe. Ma logique est la suivante. Si ces pubs restent et persistent sur internet, c'est que ça marche. Je veux un jeu qui marche. Donc l'objectif de cette vidéo sera de transformer mon roguelite FPS qui ressemble à ça en jeu TikTok qui ressemble à ça. À peu près. Et gagner des points fera gonfler certaines parties de votre corps. Alors c'est parti. La première étape va être de limiter le joueur. D'après mon étude poussée de TikTok, il ne faut pas laisser trop de choix aux gens. De base, dans mon jeu, on peut se déplacer, sauter, dasher, slammer, parer, mettre des claques, jeter des sorts. Pour un vrai jeu TikTok, il faut supprimer tout ça. On va donc recoder le jeu. Enfin, je viens de dire recoder le jeu, mais en fait, c'est plus moi qui vais supprimer tout mon code. Supprimer, supprimer, supprimer. Donc voilà, on peut se déplacer sur Y. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Donc avec un petit plus de travail, voilà ce qu'on a. On a un joueur qui peut se déplacer de droite à gauche en avançant sur une ligne. Et il peut tirer des balles aussi. Ouais. Donc le but maintenant, ça va être d'ajouter des ennemis et des trucs à ramasser pour faire des points. Et parce que vraiment, c'est pas compliqué à faire, je vais mettre une limite de 4 heures. Et au bout de 4 heures, j'arrête de coder sur le jeu TikTok. Donc c'est parti. L'avantage, c'est que les ennemis, j'en ai déjà plein dans le jeu de base. Donc il va me suffire de les placer sur le chemin du joueur. Et plus on progresse, plus ils apparaissent fréquemment. En plus de ça, si le joueur les touche, il perd des PV. Mais avant de continuer, j'ai devoir ajouter une poitrine au joueur. C'est quand même le point le plus important de tout le jeu. Pour la poitrine, j'ai seulement collé deux sphères sur le joueur sur lesquelles je simule de la physique. Et voilà le résultat une fois que c'est à peu près correctement réglé. Alors je me rends compte que je suis en train de faire perdurer une tradition patriarcale, masculiniste, sexiste en collant des gros seins sur mon perso. Donc pour éviter de finir tel un gros beauf, je vais, pour célébrer l'égalité des sexes, rajouter une paire de couilles sur le personnage. Donc voilà, vous aurez le choix de soit faire grossir la poitrine, soit faire grossir les couilles du personnage. Et voilà, à présent j'ai ajouté un système de score et j'y ai relié la taille des sphères. Et tuer des mobs fait grossir les sphères du joueur. On est sur le summum du game design. Mais si jamais vous vous sentez capable de gérer un jeu plus profond, je suis en ce moment en train de travailler là-dessus. On est actuellement sur Steam à plus de 4000 wishlists, donc si vous voulez soutenir le projet, ajoutez-le. Ces dernières semaines, j'ai fait énormément de progrès, sur moi et sur le jeu. À présent, le jeu sauvegarde votre partie entre vos runs, et ça va vous permettre d'investir dans des upgrades permanentes pour améliorer votre personnage. Pour l'instant, il n'y en a que 3 avec différents niveaux, mais d'autres arriveront plus tard quand le jeu sera plus complet. Mais par-dessus ça, le plus important quand même, et de loin, c'est que j'ai ajouté 2 nouvelles zones au jeu. Les catacombes et Aérésis. Et c'est dans ces zones-là que vous rencontrerez les nouveaux mobs que j'ai créés. Donc vous pourrez y affronter les épouses corrompues et les bergers hérésiarques. C'est pas facile à dire. Elles peuvent se heal, soigner leurs alliés, fuir le joueur si elles n'ont pas assez de vie, ou même conjurer le mal. Dans l'idée, si vous en voyez une, coup de fusil à pompe. Parce que même si elle ne pose pas de risque direct au joueur, parce qu'elle n'attaque pas, c'est le seul mob d'ailleurs qui physiquement n'attaque pas le joueur, il faut les éliminer au plus vite, parce qu'elles vont soigner leurs alliés, et vous allez voir juste après ce qu'elles peuvent faire d'autre. Les bergers, eux, sont beaucoup plus simples. Ils s'en prennent au joueur avec une attaque auto-guidée à distance, un peu comme les nécromanciens d'Elden Ring, et évidemment, vous pouvez vous défendre en tapant dans leur crâne en faisant des parades. Mais attention, si une épouse arrive à se tenir à proximité d'un berger, elle peut le maudire. Donc après un petit rituel, le berger devient possédé et devient beaucoup plus compliqué à abattre. Il va se mettre à flotter dans les airs et à tirer des projectiles non-stop. Et pour le sortir de sa transe, il faut lui faire des dégâts. Pour revenir sur le chef-d'œuvre de notre jeu TikTok, j'ai bien avancé. J'ai ajouté un compteur en haut pour le score et tiré sur les mobs rapporte des points. Et pour gagner encore plus de points, ce qui est essentiel sur ce genre de jeu, c'est un système de patounes. Voilà une patoune. Il y en aura plein sur la carte et à chaque fois que vous toucherez une patoune, vous gagnerez 100 points. Et évidemment, ça fera grossir les sphères. Donc pour faire apparaître les patounes devant le joueur, j'ai un timer qui tourne et toutes les X secondes, je fais apparaître un pattern. J'en ai créé 5 ou 6 différents et de façon aléatoire, il y en a un qui est choisi et qui est placé X mètres devant le joueur. Donc évidemment, le but du jeu, c'est de faire le plus gros score inimaginable en laissant le moins d'ennemis en vie possible. Alors quand vous aurez testé ce délicat jeu, n'hésitez pas à me dire combien vous avez fait de score. Je vous explique très bientôt comment est-ce qu'on fait pour télécharger ce jeu-là.
parce que c'est un chef-d'œuvre. Également, il me reste un petit peu moins de 30 minutes pour finir le jeu TikTok, donc je vais faire ce que je peux. Et pendant que je suis sur la dernière ligne droite, on va avancer sur Blood Rush. Et j'ai créé une nouvelle arme, c'est un pistolet qui lance des réflecteurs, et entre chaque réflecteur, ça crée un laser. Les lasers font du dégât aux mobs, mais je sais pas où je vais avec ça, donc je veux bien avoir votre avis là-dessus. Après un peu de travail, j'ai réussi à mettre en ligne une page sur l'Epic Game Store. Donc le jeu sortira sur Steam et sur l'Epic Game Store, et c'est super cool parce que... l'argent. Le combat de boss contre Argo se passe dans un désert, et j'avais pas encore eu le temps de faire un vrai décor, c'est pour ça qu'on avait ça qui flottait dans les airs. Donc j'ai pris le temps de faire des arbres sur Blender, et maintenant on a un désert peuplé d'arbres morts réminiscents de l'arbre monde. J'ai aussi passé plusieurs heures à travailler sur une cinématique pour Argos, mais à cause des bugs du E4, je peux pas la mettre en ce moment dans le jeu. Le système de statistiques du jeu est opérationnel, donc si jamais vous voulez savoir combien de mobs vous avez tués ou un tas de statistiques, c'est à présent possible. Faut juste que je fasse toutes les interfaces graphiques, donc c'est pas possible pour l'instant. J'ai ajouté pas mal de nouvelles améliorations dans le jeu, dont un sort qui détruit les projectiles à proximité. Je vais pas vous dire tout ce que j'ai ajouté parce que j'en ai fait beaucoup trop, mais il y en a plein de nouvelles. J'ai aussi fait un nouveau hub dans le jeu dans lequel il y a ce mec là, il s'appelle Hephaistos, il est super sympa, mais on peut pas encore lui parler. Ça sera le cas dans la prochaine mise à jour. Il y a aussi de nouvelles options pour l'accessibilité du jeu. Si vraiment vous galérez vraiment trop sur le jeu, il faut activer le mode béni. Parce que je sais que le jeu est un petit peu trop rapide pour certains, le mode béni va permettre de réduire la cadence et de baisser la charge mentale des combats du jeu. Et si par contre vous avez des problèmes de vue et que le jeu n'est pas assez clair pour vous, j'ai reçu une option pour mettre en surbrillance les éléments importants du gameplay. C'est-à-dire que ça c'est sans l'option de surbrillance, et ça c'est avec l'option de surbrillance. Ça permet de distinguer plus facilement les ennemis si vous voyez pas assez bien. Donc voilà, c'est la fin de mes 30 minutes réglementaires, j'ai échangé ce que j'ai pu sur le jeu. Vu que j'avais pas le temps de travailler sur une nouvelle mécanique, j'ai surtout bossé sur des éléments visuels. Donc il y a des animations sur le score, il y a le sol dans le jeu qui maintenant change de couleur, ça me faisait penser un petit peu à la route arc-en-ciel, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai aussi ajouté plus de particules, j'ai aussi un peu réglé la physique sur les sphères, et en plus de ça, j'ai rajouté une petite musique de fond de Kevin MacLeod. Incroyable. Donc le plus important, le résultat final ressemble à ça. Et j'en ai... presque les larmes aux yeux. Si vous voulez tester cette atrocité de jeu vidéo, je mettrai le lien sur le Discord de Blood Rush aujourd'hui à 18h. Et en même temps, je sortirai la nouvelle version alpha de Blood Rush, la 0008. Si jamais vous faites partie des testeurs alpha de la chaîne, vous avez déjà accès au jeu depuis un moment, et si jamais ce n'est pas le cas et que vous voulez tester Blood Rush en avance, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube. Le lien du Discord est dans la description et dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en la partageant et en la likant, ainsi qu'en ajoutant le jeu sur Steam et sur l'Epic Game Store. Merci d'avance, à plus.